C'est un appel à l'aide, ou du moins une précaution. Le président ukrainien Petro Poroshenko a demandé aux pays membres de l'OTAN, et notamment à l'Allemagne, de déployer des navires en mer d'Azov pour soutenir Kiev dans son bras de fer avec Moscou. Poroshenko bat le rappel dans les médias occidentaux. C'est dans le quotidien allemand Bild qu'il a interpellé l'Allemagne. Après l'accrochage armé avec les forces russes au large de la Crimée dimanche dernier, il lui demande que fera ensuite Vladimir Poutine si nous ne le stoppons pas. La loi martiale est entrée en vigueur hier en Ukraine et Poroshenko s'est montré dans un centre d'entraînement de l'armée en tenue militaire. Pour Vladimir Poutine, Poroshenko aurait ses propres motivations politiques à 4 mois du scrutin présidentiel. Autrement dit, il aurait orchestré la crise pour remonter dans les sondages d'opinion. L'affrontement maritime s'est produit lorsque des bâtiments de la marine ukrainienne ont tenté de traverser le détroit de Kerch pour entrer dans la mer d'Azov. Détroit d'une importance cruciale pour les exportations de céréales ou d'acier produits dans l'est de l'Ukraine. 24 marins sont depuis retenus par Moscou, des prisonniers de guerre pour Kiev.